un relâchement après le premier confinement. C'est pourquoi qu'ils ont dit nous un peu dans sa situation dans laquelle nous était Maesh. Sinon, il est très, très important de maintenir les gestes barrières, très important de suivre les conseils sanitaires et très important aussi qui nous apprennent à écouter, ne pas transgresser la loi. Quand on parle de l'endroit où on parle, quand on pas faire ça, ben écoute, ben, des gens qui peuvent faire ben, ce pédien, non, peut justifier l'injustifiable dans un déplacement. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'exemple à suivre. Mais quand même, ce qui est bien faire, right, aujourd'hui, c'est aussi de comprendre qui nous là pour où, pour où bonne difficulté, pour où bonne moment de détresse, nous là, et Maesh pour rappeler le numéro sur lequel, bien sûr, on est capable d'intervenir. 460-77-14, 460-77-14, c'est le numéro du standard de Oise FM durant cette émission spéciale, confinement. 11e jour aujourd'hui, comme Jimin rappelle-lui, et non, c'est ce témoigné pour qu'il nous capable sauver nous la vie, c'est les gestes barrières, on met tout masque, l'eau, néné, l'eau, la bouche, et aussi ou garde du sanitizer, ou désinfecter ou la main à chaque fois qu'il vous sortez en public ou même à la maison. Et troisième moyen, c'est aussi garder une distance de sécurité avec Banese Dimon. Et deuxième moyen, c'est la vaccination. Donc, je pense que tout est dit. Et nous espérons que la population mauricienne pour faire preuve du bon sens pour respecter toutes ces bonnes consignes de sécurité et les gestes sanitaires et barrières. Pour qu'il nous gagne ben, prochain la manne qui peut sortir encore, m'espérer. Pourquoi le premier point positif, c'est pour quand les forces de l'ordre pouvaient dire à nous qu'ils n'ont pas issue aucun la manne, ou ça a diminué, nous pouvons gagner confiance, que la population comprend qu'il ne faut pas sortir et après trouver un justificatif pour dire non, mais tu peux bien sortir. Oui, très important. Et que. Aujourd'hui, chacun peut essayer, comment dire, donne ce justification pour ce déplacement. Et là, puis elle travaille vraiment. Et là, nous, on est fatigué la case. On n'est pas capable. Ça, mais ce n'est pas si on est capable ou pas capable. Vous comprenez? On dit qu'il y a besoin de faire. Pas où? Pas moi. Pas Maesh. Pas Maniche. Nous avons besoin d'être ensemble pour la population. Oui. Ensemble d'un tout. Et c'est pourquoi aussi, quand nous causons ces affaires vaccins-là, nous prenons dans une manière très importante, Maesh. Mais je connais que moi apprendre une très bonne nouvelle ce matin d'après ben, l'information qui m'a gagné que mon ami l'économiste me donne au niveau de la situation internationale. Alors une bonne plus bonne nouvelle qui m'a gagné aujourd'hui, c'est qui la chancelière allemande Angela Merkel indique li pour faire le vaccin AstraZeneca. Angela Merkel, c'est la femme la plus puissante au monde. Effectivement. OK, dans le dernier rapport qui ne fait que sortir, li avant même Kamala Harris, li avant même je crois que la deuxième c'est l'ancienne patronne de l'IMF là. Comment elle s'appelle? Ce nom ne me revient pas en ce moment. L'ancienne ministre française de l'économie. Donc, le nom va me revenir. Mais quand même, c'est un dimoun. Nous avons cause un dimoun simple. Nous avons cause un dimoun qui ça. C'est nous avons cause Angela Merkel. Et Angela Merkel, il dit qu'il est pour faire le vaccin. Et il dit ça ce matin. C'est une information rapportée par un des journaux les plus importants d'Angleterre. C'est le Daily Mail. Le Daily Mail dit Merkel backs Oxford jab, German leader, 66 ans. Donc, c'est she will have the AstraZeneca vaccine after earlier claiming that she was too old. OK. Et que, premier coup, elle a refusé. Mais là, elle dit, OK, dans l'information qui est tombée hier dans Daily Mail Online, elle dit qu'il est pour faire le vaccin AstraZeneca et d'ailleurs il dit que ce pays il reprend la vaccination AstraZeneca. C'est un message très fort, Jimmy. Très très fort, très très fort. Et c'est vraiment moi m'opé prend ce message m'opé prend ce comment me dire
cet exemple aussi pour expliquer, bien sûr, pourquoi il faut faire le vaccin AstraZeneca. Merci à mon ami l'économiste qui vient de m'envoyer le nom. Je parlais effectivement de la deuxième femme, c'était Christine Lagarde, la deuxième femme la plus puissante au monde. Ok, donc Christine Lagarde, première c'est Angela Merkel, et première c'est Angela Merkel qui dit qu'il faut faire vaccin AstraZeneca, et en même temps l'Allemagne, il nous reprend le vaccin AstraZeneca. Est-ce que nous avons peut-être pour nous le temps de retrouver est-ce que tu peux Maëch, donne-nous un peu des détails par rapport à 5943-1000, 5943-1000, quelle est la situation? Alors pas mal de messages ce matin, une question. Ban self-employed qui dans zone rouge et qui peine en code bancaire, comment vous pouvez faire pour étirer l'argent? Non, là, quand vous êtes dans zone rouge et qui vous peine en code bancaire, vous pouvez attendre. Vous pouvez attendre parce que malheureusement, pas capable de permettre qu'on rentre dans une situation que vous pas capable de faire même des bosses pour code bancaire en ce moment. La banque peut vous faire un service, ce qu'on appelle un basic service. Venir, tout c'est un chèque, ou aller, ou tirer un chèque. La fin du mois, à partir peut-être le 25 ou le 24, la banque commence à travailler un petit peu plus dans le côté administratif des entreprises, c'est-à-dire virement, prend casse via l'hôtel, l'intel, ce compte, ben des affaires comme ça. Mais là, où l'eau, cette situation, c'est qui les basic necessities et activities de la banque, où n'est pas capable à le tirer. Ouais, Vishal, peut-être son micro, s'il vous plaît. Oui, et Jimmy, et là, nous avons monsieur Thomas qui a envie de faire une intervention. Monsieur Thomas, bonjour. Bonjour Jimmy. Oui, bonjour. Bonjour. Jimmy, pourquoi tu m'as tapé le bic pour ça vaccin là, Jimmy? Oui. Pourquoi tu m'as mis sur ça vaccin depuis les 4 mois? Moi, pour bientôt 70 ans là, qui va te gagner ça jour là, mon gars, un petit la fièvre, hein? Un petit la fièvre, mais c'est pas dire. Après, on demande que tu gagnes un petit peu de douleur, c'est tout. Mais pas aucun grave, Jimmy, hein, mon gars, au fond. Moi, mon gars, comme ça, arrête d'écouter pas là. On voit parce que ça, vous avez un papier qui peut signer, c'est pas qu'ils avaient dit. Ça, vous avez gagné ça. On voit, on a tout la santé. On voit. Oui, vous connaissez les commandes, un dimoun qui peine la santé ou qui a une valise, un coffre, l'argent plus facile, moi je dis. Ou qui a un coffre, l'argent en lit, il peut choisir un coffre, l'argent, il peut choisir sur la santé. Depuis les 4 mois, on va faire depuis les 4 mois. Ça veut dire que je vais vous dire. Moi j'ai un extra, je suis bien content. Et ça veut dire que je fais mon boss beaucoup ça joue là. Je n'ai aucun problème. Mais ça me dit à Djimoun, arrêtez de parler. Oui, comment je fais que j'ai aujourd'hui Angela Merkel a décidé pour lui faire vaccin, lui, il n'est pas capable de plus moins intelligent que nous. Vous connaissez que je ne peux pas vendre à Maurice Poulain, là. Oui. Si vous m'écoutez tout ça, vous avez plus dans l'esprit. Vous m'avez dit, il a montré la tête comme ça, la couille calme. Mais prenez la couille, a fait ça. On va pas, si arrive un problème de papier là, on va retirer lui, on va faire papier, on va pas casser ça. La santé, on va faire mon vaccin, les 4, c'est après, c'est tout. Là, on va prendre les deux ans, on va faire le 27 mai. On va faire ça le 27 mai, on va faire mon deuxième dose. Mais oui. On va. C'est tout ce que je vais dire, Jimmy. D'accord. Je vais dire à tout le monde, allez faire le vaccin. Bah, écoute pas là. Laisse-nous payer, respirer, faire le vaccin.
pour lui rendre un grand service, allez faire le vaccin tranquille, retourne à table, c'est tout. Ok, Jimmy, merci beaucoup. Voilà, merci pour, bien sûr, pour l'intervention. Et que, là, nous retrouver dans cette question de. Nous avons cette question de vaccin là. Il faut beaucoup de lucidité et de discernement. Et je crois que l'auditeur avant l'avait. Nous, tout de suite, nous téléphone tout de suite. Nous avons au téléphone tout de suite Deepak Benedine, le président de la Fédération des corps constitués. Et que, bien sûr, Deepak Benedine, bonjour. Bonjour, Dimitri. Oui, nous avons également Manish Mahesh et Vishal qui est avec nous. Finalement, gestion du Grand Argentier et du gouvernement en général par rapport à Ban Ki-moon qui dans Ban situation de difficile, Ban self-employed. Et le gouvernement fait un geste exceptionnel au lieu d'une autre 2550, puis ajoute un token de 10 000 roupies là pour one-off payment, puis ajoute gain 12 550. Comment on trouve ce geste-là? Bon, bien sûr, c'est un geste bien louable. Et comment tout le monde peut dire, ben, tout le monde qui va faire travail, comment pour vivre avec 2500. Bon, nous, c'est que nous sommes experts qui, pandémique là, il dirait quelques jours après, nous sommes pas enlevés, mais malheureusement, de jour en jour, ce qui peut arriver, nous trouve le nombre de tout le monde qui est contaminé et peut augmenter. Donc, le gouvernement, il peut faire ce geste. Et mon pensée, c'est un geste bien louable parce qu'en tant que syndicaliste, même dans ces criers, pas de nous les temps crier cette fois-là. Mm-hmm. Et quand on se dit, il y a des gens qui ont des difficultés, pas pour les autres. Et d'ailleurs, nous tous, enfin, même le radio, même dans les autres radios, nous pétons, des gens peuvent plaigner, peuvent manger dans un sacage, peuvent dans ceci, peuvent dans ça. Donc, plusieurs radios, y compris radio, qui personnel de radio, qui d'ailleurs, me remercie également. Qui peuvent en aide des bandits qui dans le besoin. Donc, ça geste du gouvernement-là, je crois que ça a montré qu'ils ont dit vraiment nous avons un gouvernement socialiste. Je voudrais dire, moi, je ne suis pas un politicien, parce que beaucoup de monde, quand on cause d'en faveur du gouvernement, ou bien, comment dire, ou bien pro-gouvernement, c'est pas ou bien qui partisan. On ne va partisan, pas aucun parti, mais quand le gouvernement peut faire quelque chose, nous pouvons reconnaître, et moi, je crois que c'est un geste extra louable. Et surtout, Jimmy, si vous permettez-moi, moi aussi, ajoute ça 1 million qui m'a SMI. Aujourd'hui, vous connaissez ce qui est arrivé. Ma petite entreprise, c'est eux mêmes, premier labo, c'est eux mêmes, man grand pouvoir, c'est eux mêmes qui donnent plus beaucoup de travailleurs, employés dans ma petite business. Donc, aujourd'hui, quand le gouvernement peut venir donner 1 million, ça m'a SMI là, moi, quoi, c'est un ouf de soulagement qui, encore une fois, peut venir à l'aide et il peut donner un moratoire. Pourquoi d'un an, et l'intérêt 0,5%. Donc, moi, je crois que c'est une grande affaire que le gouvernement peut faire. Et là, et donc, nous n'avons rien à dire que le gouvernement-là, comme je disais, peut rester les bras croisés. Là, c'est que le gouvernement-là peut faire, il peut descendre au terrain. Et moi, également, les bons qui me disent, moi, je reste dans la zone rouge et contrôle qui ben, la police peut faire. Et l'extraordinaire, parce que là, nous avons besoin, c'est un coup d'ensemble, pas à cause de la police peut barrer, nous avons besoin qu'on se critiquer. Et moi, je pense que ce travail-là, c'est un travail peut faire pour protéger la population. Et dans ce sens-là, moi également, félicite également le ministre de la Santé qui peut faire un gros travail, y compris le ministre, moi, saisit l'occasion pour saisir le ministre qui nous directement concerné, sur des scalitiennes qu'ils ont dit, comment dire, une trapène, une lutte. Mais quand il peut venir, là, ça contrôle le prix qui peut venir là. Donc là, je pense que moi, mon tout communauté peut vendre, malgré qu'il met le prix fixé, peut vendre 25 roupies. Et là, les gens peuvent venir avec sa série de sanctions. Et peut-être, dans du monde, peut vendre, par exemple, une bouteille d'alcool qui peut vendre, normalement, son prix est 30 à 36 roupies, peut vendre 80 roupies dans le supermarché. Donc, je pense également. Bizan met un price market, ça veut dire que même malgré le prix pas fixé, Bizan capable d'avoir un price market, un Jimoun pas capable d'avoir quelque chose descend 300% plus qu'il se prix. Donc, encore une fois, je connais qui ça va différents partenaires sociaux là, puis je trouve. Alors, donc, je remercie surtout, qui peut donner un coup de main. Je connais, il y a un moment difficile, dans ce moment difficile là,
nous d'accord aussi qui ban camarades qui se trouvent dans l'opposition aujourd'hui, mais le cadre du gouvernement, ça ne nous pas connaît, mais nous aussi, nous devons prendre une position, donc nous vous félicitons, nous devons prendre une position pour que le pays saute dans cette difficulté-là. Parce que là, nous pas qu'à arrêter, si pas nous trouvons nous dans l'opposition, dans le gouvernement, ça ne se défile le côté, n'écrit ça ne critique sur camarades, mais nous pensons, tout le monde, dit bout ensemble, à nous tiers pays dans le gouffre qu'il y était, après ça. Pandémie là, fin passé, les gens n'ont pas de bonne différence dans laquelle nous avons attaqué. D'accord. Et quand même, un mot pour Demanou et Dipaka Bénédine, qui conseille ou capable d'une bonne dimanche, surtout qui peut vivre dans peut-être les zones rouges, dans un moment difficile, qui conseille d'une autre pour nous capable d'être d'une autre un encouragement pour passer ça dans un moment difficile là? Bon, c'est-à-dire, bon, le bon qui me dit, parce que moi dans la zone rouge, oui. Pas aucune pénurie, mon cas dire ou au supermarché ou gain tous affaires ou les enfants nous connaissent gain des difficultés pour gain gaz etc. Tout peut gagner. Donc ça c'est une chose vraiment appréciée. Donc man di moun qui peut vivre dans zone rouge, nous pas capable de dire qui nous peut manger dans nos la case, qui nous peut dans gaz etc. Donc là c'est qui nous besoin rester dans nos la case, bien sûr nous en restons dans nos la case, nous coranime nous mêmes. Hein? Nous avons la télévision, nous avons l'information, nous écoutons la radio, nous écoutons un peu ce qui est arrivé dans le monde international, nous avons des nous avons des passer dans le monde avec ce problème Covid là, nous apprenons, nous commençons dans nos enfants, nous jouons avec nos enfants, et moi, mon cas, je peux profiter pour nettoyer mon cour, nettoyer mon cas, le temps n'a pas gagné. Hein? Donc, si vous manager le temps, ou pas pour gagner le temps, ou bien rester au la case, parce que ça serait une occasion, comment nous peut dire, peut-être que c'est une occasion rare. Bien rare ou gagner l'occasion avec la famille. Mais si vous pouvez gagner l'occasion avec la famille, qu'on prend bénéfice à l'occasion, là, n'a pas, comment dire, besoin de bout de l'eau, la rue, parce que tout, même dans la zone rouge, moi, je compte bien, moi, pour nommer qui côté, mais même dans la zone rouge, tout le monde du monde dans le coin de la rue, et que vous bouteille la bière, que vous rhum, vous pouvez boire, vous pouvez causer, comment dire, besoin de socialiser aussi. Mais ferme dans la case, vous n'avez pas socialiser, socialise dans la case, à nous raffermer, nous profiter de l'étonnement pour raffermer. Ça tissu familial qui nous veut dire notre tissu familial qui est cassé aujourd'hui. Donc ça c'est le moment pour nous réconsolider tissu familial, pour nous vivre en famille, nous apprendre à vivre en famille et mari femme on peut dire vous connaissez comment nous aussi modèle un coup de main pour ça combat qui ben madame qui a mené là, mais là nous capable de dire ben cause ben travail qui est dans la case mari femme tout pas fait travail là tout capable d'un coup de main faire ben travail là et si nous tout fait nous mettre la main dans la pâte. Pourquoi l'État va pour rester, nous finissons par nous le temps, ça veut dire nous le temps, un jour qui nous a 24 heures de temps là, pourquoi si nous dormons 8 heures de temps là, on en dit beaucoup. Merci beaucoup, Dipak Bénédine, président de la Fédération des syndicats des corps parapublics, pour, bien sûr, pour toutes ces précisions qui nous donnent là. Alors, je souhaite tout bon courage, surtout bon camarade qui travaille au niveau OASA FM. Donc, je connais qu'ils ont fait un grand travail. Et surtout qui, on va dire ça bon niveau pour des autres, mais surtout qu'ils ont fait intervenir, sa intervention qu'ils ont fait faire et vis-à-vis même la police, même si Vakouten, mon cas en passant, Vakouten, c'est un collègue de longue date au moins. Donc, tout fait un travail social aujourd'hui. Mais donc, si Vakouten, désire ça dire, comment la police, donc tout le monde qui peut travailler. Pour aider sa pays là, moi quand nous faisons sa dimension là, dis-moi pas peut travailler juste pour casse, dis-moi peut travailler parce qu'il est content sur le pays, il tient sur le pays quand il était. Donc, je remercie les autres et encore une fois, je remercie pour le bon travail qu'ils ont fait. Ok, merci. Merci. Voilà, et que nous pour bien sûr, peut-être Maesh pour donner nous quelques informations par rapport au le service WhatsApp. Alors, sur notre plateforme WhatsApp, pas mal de questions. Jimmy, donc, bonjour. Moi, un self-employed, moi, in un PMI pour school bus. L'année dernière, moi, parti bénéficier scheme. Est-ce qu'il est possible pour réapply cette année-là? Oui, il est possible. Si vous parti bénéficier l'année dernière, il est possible pour ou réapply. Et ou dire aussi, ou dire, elle est là. Donc, bien sûr, pour quelle quelque chose vous pouvez apply et qu'elle peut être entretenue. Autre question, je travaille maintenant dans le welfare programme, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore gagné aucun argent. Ça a des mois qui m'ont la case là, mais à ce moment-là, je connais, est-ce qu'il m'a besoin enregistré pour le Wage Assistance Scheme?
Donc, si vous déjà dans votre programme, vous avez le wage assistant. C'est either or, à ma connaissance. C'est either or. Et que là, une affaire qui est très importante. Il n'y a pas payé, comment dire, le workfare programme, pas payé. Tout de suite, il y a une série. D'ailleurs, M. Karamben qui tient à intervenir. Oui. Ok, il te dit qu'il prend un petit temps en plus. On a une autre question sur WhatsApp, une question qui n'est pas plaît à tout le monde, Jimmy. Alors, bonjour, moi, me demande au gouvernement l'état de cibler ban distributeur qui vise à livrer dans une zone rouge. Est-ce qu'il est important livrer ban boisson alcoolisée dans sa ban l'endroit-là? Bizin laisse livrer si ce ban produit important qu'on mange. On connaît Livin Lossakane sur sa manière de penser, de voir les choses, ok? Il est capable un petit peu penser qu'il n'est pas nécessaire livrer ban boisson alcoolisée, mais le danger dedans, si vous pas livrer sa boisson alcoolisée qui est déjà contrôlée là, dis-moi capable de créer ban propre alcool qui est beaucoup plus dangereux, qui dépasse les 40 degrés et qui est beaucoup plus dangereux et nocif pour la santé, par exemple l'éthylambique, ban affaires oui. Hier comme ban affaires qui décidé comme ça. Donc c'est pourquoi qui l'autre cette question là, il pas nécessaire ça fait pas nous envie livrer. Par exemple, beaucoup de monde avec fait parler de vendre l'alcool, c'est une bonne raison qui fait parler de vendre parce que si doit lever ban l'alcool artisanal, les gars beaucoup plus dangereux qui pour la santé que ça. Plus nocif pour la santé. Donc Vichal aussi qui est en studio avec nous, sinon qu'avoir ce micro. Midi passé de 38 minutes, 460 77 14, un numéro de téléphone pour intervenir, pour débattre à l'antenne. Mais là il est midi 38, on manque la pause pub et on se retrouve après. Écoutez Waza FM 24h sur 24. Gouvernement fin met en place une campagne de vaccination contre COVID-19 pour ban opérateur économique. Sa programme là concerne ban dimoun qui est na wap pa ban PME qui fin enregistré avec SMI Mauritius, ban planter, éleveur, sofia taxi, sofia contre. Bon après-midi. Bon après-midi Richard, bon après-midi tout bon auditeur de Waza FM. Voilà, et comment ça se passe un peu dans la circonscription? J'ai tout que nous est confiné depuis plus de 10 jours. Bon, voilà, ce qui vaut de nous itinéraire pour aujourd'hui, et c'est ça un peu nos quotidiens depuis qu'il y a un confinement. Aujourd'hui, par exemple, dans la circonscription, il y en a un bled de Nijen. Parce qu'il faudrait nous réaliser que malgré qu'il y a un confinement dans les pays,
la demande de, du sang. Donc, on a plusieurs centres dans, dans l'hôpital, dans surtout dans le centre de dialyse, ça n'est pas en confinement. Nous toujours préférons dialyse pour les patients qui ont fait dialyse. Nous toujours préférons les patients dans l'hôpital qui ont besoin de 10 ans. Alors, il est important, même en confinement, de l'amour remercier le Blood Donors Association, tout le ONG, un club de service comme le Lions Club. Bien souvent, nous organisons un Blood Donation. Mais il est bon qu'il m'a fait ressortir, qu'il ne va pas gagner autant de Blood Donors parce qu'il est en confinement, comme on nous le connaît. Mais c'est moi tout de même, nous essayons de gagner un peu de parler ça, ça. De demandes qui nous nappent ou dans différents centres de santé, l'hôpital dispensaire, pas dispensaire, mais surtout l'hôpital et surtout centre de dialyse, beaucoup disons. Et puis nous avons aussi un patient qui est bedridden, qui peut vivre quasiment seul, se va pas capable à le supermarcher, à le faire des emplettes. Et bien sûr, nous pouvons venir en aide, comment si on peut contacter nous quand on a un cas pareil. Nous pouvons faire le nécessaire, nous pouvons faire des emplettes. Et nous pouvons faire ça volontaire pour autant. C'est même le coût de ce produit alimentaire que nous pouvons distribuer là, c'est nous-mêmes, man volontaire, man camarade, nous pouvons cotiser entre nous. Et nous peut faire lire. Ça, c'est un, c'est un grand soulagement pour certaines personnes-là, surtout pour les personnes âgées, pour madame qui a l'été, bedridden, qui nous peut apporter autre. Il faut des, ou guette sa sourire, sa contentement dans un visage qu'on devait faire sa bande à clair, c'est un visage. Et il vraiment fait chaud au cœur. Et c'est, pour nous, c'est avec un grand plaisir qu'il nous fait lire parce que sa sourire qui nous peut apporter le figure dans la peine. Et aussi, M. Vikash Nakidi, quelques mots par rapport à la vaccination côté n'a beaucoup de personnes. Ben, exactement, merci beaucoup pour nous rappeler. Si nous pouvons motiver nous, membres du public, pour le faire, vaccination malgré la campagne démagogique qui tient à un peu de la part de certaines personnes, et qui tout à même, je vais trouver quelque chose de bon. Tout à fait, qui le gouvernement peut faire autour des opinions, je vais critiquer, mais par contre, et là, moi, ouvre une parenthèse. Par contre, comme l'opposition peut venir, qui se suppose et propose certainement des propositions, des solutions, des changements dans le standing order, nous trouvons dans certaines sections du média qui bien emballées, comme si ce qui va de l'opposition peut proposer sa même solution qui est là. Mais moi, comme un membre du gouvernement, laisse-moi dire qui m'a ouvert à tout sorte de changements, tout sorte de amendements qui bien amener, que ce soit au niveau standing orders, que ce soit au niveau de la loi, mais aussi longtemps que ça va un amendement là, ça va un changement là, les progressifs, les amène nous de l'avant, mais nous pas là pour faire démagogie. Et que qu'on peut dire où pour retourner aux vaccinations, nous à cause de nos demandes, nous peut dire que voilà, c'est la solution, c'est vaccination. Et heureusement que beaucoup de demandes écoute nous, et surtout que depuis le Fingai, sa deuxième, si on peut appeler le deuxième vague là, il y en a beaucoup de gens qui ont réalisé qui nous pas à l'abri. C'est la solution, c'est la façon pour mettre nous à l'abri, c'est une vaccination. Et là, moi, saisis cette tente d'antenne qui ou radio finalement, pour WASAFM, moi, remercie le WASAFM, et moi, fait un appel avec la population qui fait se vacciner autant que je suis capable, parce que si on vit vraiment qu'il nous saute dans la crise sanitaire, crise économique, qui entier le monde peut faire face là, c'est une solution, c'est vaccination. Et nous, partout comme le vaccin, pendant les jours de la semaine, nous pouvons aller, nous, avec mon camarade, avec mon volontaire, nous pouvons essayer d'aider parce qu'au début, tu es à un moment, il y a beaucoup de gens qui finissent présents dans le centre de vaccination. Et c'est un peu difficile pour contrôler tout ça. Et là, nous pouvons aller nous volontaires pour faire pour amener un peu l'eau, pour donner un coup de main. Et contrairement à ce qu'il y a un journal, un quotidien ce matin, mettez, qui va nous députer pour aller pour faire d'autres remarques. Ce n'est pas ça du tout le cas. Nous faisons une autre façon pour faire nous remarquer, pour nous faire action. Et là, nous pouvons aide le pays, aide nos bandits pour faire se vacciner. Quand même, Vikash Nangeni, l'ON est un peu plus politique. La rentrée parlementaire, c'est dans deux ou trois jours. Quand même, comment est-ce que, en tant que membre de la majorité gouvernementale, vous pouvez préparer pour cela?
Bon, écoutez, on est au débat, on va trouver beaucoup de questions, ou sinon pas de questions de la part de Banque Ventures du gouvernement. Mais là, nous avons une question de la part de la députée de l'opposition. Et le ministre, je connais, j'avais déjà travaillé pour des réponses à cette question-là. Et que là, nous, pareil, nous malgré qu'il nous finit perdu le secrétaire général, c'est les premières sessions parlementaires que nous prenons, comme le député Bouddha, qui put dans the other side of the house. Mm-hmm. Et que c'est ça, mon conseil à rentrer là, qui lui prenait sa particularité différente avec ce qu'il nous finit trouver depuis le début de sa mandat là. Mm-hmm. Mais nous là, pour montrer que voilà, le gouvernement là, parce qu'il a des projets de loi aussi, hein, c'est tout ça qu'il ne faudrait pas oublier. Il a un projet de loi, l'éducation technologique, technical and technological education, je ne me rappelle pas le terme exact, mais bien sûr, moi qui aime comme un technicien, comme un professionnel dans le domaine de construction, mon sentiment concerné, mon point intervenir le bill là quand il peut venir. Ben voilà, nous peut travailler et le travail a continué, mais c'est bon. Michabono aussi écoute ce qui le nouveau leader de l'opposition, ça aussi, il y a une autre nouvelle affaire que nous connaissons, le leader de l'opposition en face de nous. Mm-hmm. Et il a une proposition pour faire apparemment concernant le standing orders. Mais nous écoute lui, mais c'est bon. Faut aussi longtemps qu'il peut notre démagogie des autres pas. Nous là, nous ouvrons, hein, moi comme un député, nous là, quoi. Vous voyez, quand vous politicien ou un membre d'un parti, ça prend une campagne, mais une fois qu'il y a une campagne, puis nous 8 députés pour ou circonscription, pour pays, ou là pour travailler dans l'Assemblée, ou là pour travailler pour le pays en entier. Hein. D'accord. Voilà, merci beaucoup à Vikash Nachedi, qui est le Deputy Chairman of Committees au niveau de l'Assemblée nationale. Merci Jimmy, merci pour la radio. Et merci pour l'intervention sur Waza FM. Midi 48 460 77 14, nous rappelle le numéro de téléphone pour nous appeler pour vos interventions. Nous avons aussi un bon message. Donc, Pédemannu, qu'en est-il un bon critère pour bénéficier Self-Employed Scheme? Donc, nous avons une question. Quels sont les critères pour bénéficier Self-Employed Scheme? Self-Employed Scheme, c'est-à-dire qu'il paraît qu'on nous notifie l'année dernière au travail, au compte, right, ou un maçon, ou un charpentier, ou un menuisier, ou un esthéticien, ou un, comment appeler, plombier, des affaires comme ça, right, là où tu peux gagner, il paraît, là où tu fais taxi aussi, où tu peux gagner l'année dernière. Voilà, c'est un peu ça. Vous pensez, un critère le plus important, c'est que vous reconnaissez au niveau de la loi when self-employed, oui. and code, and beyond. Non, ce qui est important, il ne faut pas qu'il y ait un self-employed et puis au travail d'une entreprise, que peut payer une pension, une affaire. De là, on peut le trouver vous-même dans une situation compliquée. Alors, 460 77 14 pour vos appels. C'est un bon message, le 59 43 10 00. Alors, Jimmy, if you clear a doubt for me, is it true to say that the government has at any time put an obligation on people to get vaccinated against COVID? Non, il n'y a aucune obligation pour personne être vacciné de la COVID. D'ailleurs, ce matin, nous avons vu qu'il y a plusieurs députés qui ne se sont pas fait vacciner. Certains, par raison, comme Johanna Béranger, qui a dit qu'elle n'a pas été vaccinée parce qu'elle est en train d'allaiter son bébé. Mm-hmm. Deuxièmement, Karen Foucault n'a pas été vaccinée parce qu'elle vient d'accoucher. Et donc, sa famille s'est agrandie. Et puis, il y a plusieurs des autres députés, comme Arvin Boulay, Shakil Mohamed, et que une série d'autres encore, eux, ils ont dit la majorité, c'est pour des raisons médicales, right, pour des raisons médicales, et à l'exception de Kouchal Lobin, lui, il dit qu'il n'est pas d'accord avec le vaccin. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça que j'ai vu cette situation ce matin. Donc, voilà. Autre message qu'il nous recevait, bravo Jimmy et toute l'équipe de Waza FM pour ce travail qu'ils ont pu faire là. C'est Mind qui t'envoie ce message-là. Un message d'appréciation. Une question, s'il vous plaît, quand finit fait application pour MRE, comment vous connaissez si l'in approuve ou pas? Est-ce qu'il se t'envoie un message?
L'année dernière, je t'ai envoyé un message. Je t'ai envoyé, non seulement un message, je t'ai envoyé un numéro de référence là, au portable qui permet tout track et suivre au dossier. Mais cette année-là, je n'ai pas trop connu, je pense que ça doit être pareil. Parce que le système, si nous pouvons servir le même système, c'est ce système-là qui doit être. Et c'est ce système-là qui doit être en place. Alors, on a l'appel au standard sur le 460-7714, c'est Santa Baye. Oui. Oui, bonjour, nous écoutons en direct le Oise FM. Depuis quel endroit vous téléphonez nous? Bon, en Yéta. En oui. Yéta, allez, nous écoutons. Nous écoutons, madame. Oui. Mais ce qui est arrivé, moi, je dis que j'ai 10 mots d'après penchant alphabet P. Oui. Mais comme on entend Madame Ministre causer, il dit qu'elle peut finir livrer nous le cul. Mais là, moi, même ça, mon attend jusqu'à vendredi. Mais là, mon son 272, non, pas, je dis comme mon son 272, parce qu'il dit téléphone 199, 172. Mon esprit, c'est mon problème, parce qu'elle dit, je ne peux pas recevoir pension, mon monsieur. Assez, l'état mondial, il dit, moi, attends jusqu'à samedi, madame. Mais n'a rien salé à la. Allez, dis moi, un du monde, nous malades. Moi, un du monde, mon pépé, de pied, vous consultez, moi, dans la car, mon monsieur, un du monde malade. Fait un pansement trois fois par semaine dispensaire. Mon modèle transport, même ça, mon père voulait dispensaire Glenport. Avec mon modèle, allez là, nous ne pas gagner pension. Allez, comment on peut faire? Il n'a pas ce qu'ils ont dit, alphabet B, je paye pour qu'on paye. Nous n'avons pas dans une situation normale, nous sommes dans une situation que si c'est normal, la question même pas tu peux poser. Moi, j'ai un numéro de téléphone là, nous pour faire rappel ou prendre un nom complet et que ou de nous un numéro de téléphone. Bon, non, moi déjà, attends, attends, nom, madame, oui, nous oui. Propose pour ou bien pour monsieur. Non, pour mon monsieur là, hein, okay. Moi que nous donne son nom. Tout. Allez, rate, une finie donne son nom, une finie donne un numéro de téléphone. Voilà, madame, et confirme qu'une finie donne tout. Et que nous, pour faire le nécessaire, pour pouvoir envoyer le message à Code Bizin là, et nous pour gagner une solution pour. D'accord? Parce que, Gaëtan, moi, j'ai besoin de pour vivre, pas trouver. Moi, je dis, moi, j'ai médecine, docteur de ma patrie, moi, j'ai les moyens, moi, pour mon médecine, moi, ma famille, pour prendre, moi, je dis, papa, qu'à mort, tu sais. Il y a 2 mois, moi, comme ça, moi, Lili là. Docteur, t'es venu moi la carmonie, c'est même docteur. Allez, je suis peux payer une partie. Mais si vous êtes content, vous avez mon argent. Mon cas, trouve mon provision la case. Oui. Mais ça même qui nous essaye de faire pour la madame. Et c'est oui, pour okay. Qu'il nous prend un numéro avec un numéro avec nos maris, nous pour envoyer ça. La côte bizarre, vous voyez. Et me connaît que je dois envoyer, lui, moi. Et vous gagnez un soulagement. OK? Oui, oui. Merci. Non, mon Michel, vous me connaissez. Mais vous pouvez finir de lire avec sa garçon là. Demain, non, Michel là. Non, voilà, il y a des scènes, radars, non, attends un petit moment. Donc, on a pour rappeler, il faut prendre toute l'information avec vous, parce que tu as l'air vraiment une finie donnée, moi, tu pensais, une finie donnée, mais là... Non, Marcel a mon personnel, là. Oui, allez, c'est là, au personnel. Prends, retéléphone, madame, là, reprends sur ce ban de coordonnées, et que nous gagnons un coup de cas à faire pour lui. D'accord? Merci. Oui. Merci, madame Santabay. Donc, nous poursuivons Sakala. Un autre appel sur le 460-7714, c'est madame Jyoti. Bonjour. Oui, bonjour. Ou en direct, madame Jyoti. Vous pouvez téléphoner depuis quel endroit, madame? Oui, c'est Jyoti de Floréal. Floréal, nous écoutons. Oui, au fait, moi, j'ai envie d'un petit souci, le self-employment scheme, là. Oui. Là, moi, j'ai un permis de school bus l'année dernière. Moi, j'ai appelé, moi, pas si gagné. Là, ça en est là. Faire application, mais moi, j'ai envie le gouvernement préciser le qui, genre, qui catégorie qui self-employed, qui peut passer, il peut dire tout. Mais non, mais moi, je ne gagne ni la NN, ni salarié, comme on a parlé, eligible. Non, eligible. Sorry. Non, l'année dernière, tu gagnes ou pas tu gagnes? Non, pas gagné. Ou pas gagné. L'année là, qui dit ça? Mais pareil, même réponse. Qui fait ou non eligible? Mais il n'y a pas de raison, parce que mon envoyé mail m'a demandé, il n'y a pas de aucune raison. Oui. Je dis, ou pas... Mais quand, moi, une question me pose, hein, l'année dernière après le confinement, vous pas de téléphone, vous demandez qui fait les... Bien sûr, oui. Mais je ne pas vous dire, je dis, non madame. Non, l'année dernière, moi, je pensais à questionner une chose, comment ça fait là. C'est-à-dire, mon monsieur se base avec nous ajouter pour revenu comme ça. Ah, en fait, moi, combine revenu. Parce que je dis, je ne veux pas get loan, je ne veux pas get non, et qui coupé. C'est-à-dire, pour revenu. Voilà, je ne suis pas en mesure de donner une explication pour cela. Si, est-ce que nous avons les coordonnées de Mme Jyoti? Right? Laissez-nous donner un petit mot de gain, améliorer. Je vous demande ce qui fait comme ça pour vous.
Allez, okay. D'accord. Right? Okay. Et assure-moi qu'il y a un est capable de m'aurer. Rappelez-vous. D'accord, merci. Ok. Merci, oui. Madame Jotti. Une question que nous recevons par SMS, Jimmy. Donc, qui nous informe la force policière qu'il est au pont Riverside à l'escalier. Il y a un attroupement d'immun tous les jours et toute la journée. Bana Resbois. Resbois? Oui. Mais qui a gagné? Le pont Riverside à l'escalier. Non, mais qui était un habillé des mille? Donc, par une journée de Resbois, comprends? Et oula, mais enfin. Right. Donc nous prenons un coup de ça, certainement nous perdons la police, l'attention. Moi, pas qu'on écoute du monde qui a un casse pour vous raconter, c'est là depuis 40 ans, 40 ans, midi jusqu'à soir, moi, pas qu'on Vishal, donc Vishal nous a rejoint. Vishal, me pensez nous prendre un rendez-vous avec M. Mamadouzia ou avec quelqu'un de la MRE, avec Télok Dari, ou qui guette une coute parce qu'il y a tellement de cas qui nous vous besoin pour des explications tout à l'heure dans les heures à venir. Bien certainement, sûr. Nous vous donnons ça. Il y en a aussi plusieurs autres invités après la pause, donc nous pouvons manquer une pause musicale et qu'après la pause, nous pouvons guetter ça. C'est très important. Bien sûr. Donc voilà, moi je vais prendre congé de vous ici. La suite de l'émission avec Vishal, Jimmy et Nishi Singh qui sera des vôtres à partir de 13h. It's your feel good weekend.